Mercredi 24 octobre 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la CAO pour nous capables de poter pour première, pratiquement troisième sortie de téléjournal pour semaine si là, mais principal point capable pour dominer le journal pour matin mercredi. La présidence démenti information qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi machine yon maintenant famille présidentielle a subi attaque négative mais n'est pas arrivé identifié. Gouvernement haïtien si un protocole accord avec le gouvernement japonais sur développement programme économique et social. Cérémonie déroulée hier mardi 23 octobre là dans le ministère Affaires étrangères. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Klame Damius, a présenté plusieurs documents les recevoir suite à une série de correspondances qui a été adressée à plusieurs institutions dans le pays sous gestion Fonds Petro-Caribéa. Et puis à l'échelle internationale, plusieurs cas envahis à Glo et puis la Rio charge la boue à cause ouragan et Willa qui sous route pour frapper pays Mexique. Ouragan Willa doit frapper côte nord-est Mexique dans le jour cap Vinlao avec 20 cap soufflé jusqu'à 240 km par l'heure. Si ensemble pour ça va camper l'autre coca pour faire essentiel journal là pour matin mercredi on a pas vite été branché n'a pas tout tout pour développement avec plusieurs autres encore. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas surtout tout le monde est bienvenu dans développement information n'a pas démarré Jacques qui annoncé ensemble titre pour nous faire connaître bureau communication la présidence porté un démenti formel par rapport à l'information qui a circulé sur réseaux sociaux comme quoi machine yon membre famille présidentielle a subi attaque armée mon pas arrivé identifié bureau communication la présidence mandé tout secteur de population pour pas prendre au sérieux bien information sa yo qui vient tourner une pratique depuis quelques jours en dans pays a. Gouvernement haïtien signe un protocole accord avec le gouvernement japonais sur développement programme économique et social. Cérémonie en déroulé mardi 23 octobre dans le ministère Affaires étrangères en présence de représentants ministère Travaux publics avec le ministère Agriculture, directeur général BM Padla, directeur général, directeur à cadre dans le ministère Affaires étrangères. Si a dit à quoi ça fait, dans le cadre d'opération pays Japon a porté dans la réalisation de caravane de changement pour gagner plus bon résultat dans le bénéfice de la population. Haïtienne. On a fait plutôt suivi un reportage qui peut être signatif à l'Andelfe. Donc ça, pour programme développement économique et social évalué à un montant 500 millions yens japonais, l'égal à 400 millions 400 000 dollars américains. Montant ça pour servir pour acheter équipement local destiné pour construire route agricole dans le pays. D'après l'ambassadeur japonais en Haïti, Yoshiaki Yata, geste ça pour continuer pour consolider relations amitié qui relient deux pays depuis 60 l'année. Je suis heureux de pouvoir témoigner la nouvelle page de la coopération dans ce domaine. La coopération d'aujourd'hui a l'objectif non seulement d'entretenir l'infrastructure routière, mais aussi peut servir au mouvement des peuples et des biens et promouvoir l'agriculture, d'activer l'économie et la commune et de réduire la pauvreté. Je suis heureux que le Japon puisse soutenir les divers engagements du gouvernement et la caravane de changement entamée par son Excellence le Président de la République. C'est une contribution directe dans la caravane de changement qui pourra améliorer le bien-être de la population, hein, d'après le ministre des Affaires étrangères, Boshite Dmon. Cette nouvelle intervention de la coopération japonaise en Haïti, à côté des autres programmes habituels, dont le pays bénéficie chaque année, est une contribution directe et expresse aux activités de la caravane de changement. Cette stratégie novatrice du chef de l'État, visant à optimiser les actions gouvernementales afin que celles-ci puissent produire les meilleurs résultats et ou avoir les meilleurs impacts possibles sur le niveau de bien-être de la population. Grâce à ce programme, dont le montant s'élève à 4,4 millions à 500 millions de yens, soit l'équivalent de 4,4 millions de dollars américains, le gouvernement va pouvoir faire l'acquisition des divers équipements,
agricole notamment. Travers à Kosa, gouvernement japonais a engagé pour exécuter dans ça en monnaie japonais sous yon compte l'État haïtien. Gouvernement haïtien engagé pour accorder japonais service et facilité nécessaire pendant ces jours dans le pays. Deux parties ont engagé tout pour consulter une autre dans le cas de problème dans l'exécution à Kosa. Merci avec collaboratrice Nous Falander Delphine qui t'a présenté nos comptes rendus. Si l'autre information, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte par répondre à l'invitation chef parquet Port-au-Prince, mardi 23 octobre, là, à cause avocat Léopathe disponible pour accompagner le. Dans ce sens, le commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince, M. Oknam Klamé Damayus, informé la PEG pour relancer l'invitation en ayant l'autre date. N'a pas invité à suivre l'intervention. Commissaire gouvernement met Oknam Klamé Damayus. Les deux principes que l'on invite au monde pour fonctionner dans un état de droit, dans l'invitation, l'on doit gagner un inconvénient qu'elle évoquait, qu'on y a au même ou gagner comme responsable autorité pour mal garder quel est le bien fondé de sa demande, qui argumentation qu'elle avance pour me connaître, qui nouvelle décision que m'apprend. Est-ce que pendant que j'étais là, confirmation oui, nous tous connaissons M. Lamotte invité. Et puis, deuxième approche là, c'est que l'avocat l'écrit. Et qui ça a évoqué dans l'être là, c'est parce que le conseil de l'ordre là, t'es gagné un problème avec la police. En attendant qu'il joue une solution à ce problème là, c'est difficulté pour l'État joindre un avocat qui peut accompagner. Et c'est normal. C'est de bonne guerre. Si l'avocat n'est pas disponible, je suppose lui-même, tant que l'avocat est disponible, laisse ça pour accompagner pour venir répondre à la question. Je n'ai pas une objection avec ça, ce n'est que nous allons regarder, puisque nous avons regardé déjà que nous avons plusieurs invitations déjà qui en cours. Je n'ai pas de tête pour nous dire qui joue, mais je vais envisager qui est supposé présenter dans le paquet, moyennant dans l'espace temps ça yo pour nous capables chita avec Baroua pour nous joindre éléments des solutions qui gagnent à des problèmes. Ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Francisco René, qui t'a intervenu dans l'émission mise au point hier mardi 23 octobre sous dossier Petro-Caribéa pour tes explications sous diverses étapes procédées la loi fixée dans le cadre de dossier SILA. M. Francisco René, invité gouvernement, prend bon jambesi pour gagner stabilité dans la société pour respecter principe trois pouvoirs dans l'idée pour permettre la justice continuer à faire travail. Il a invité à suivre une autre intervention, M. Francisco René. Nous avons un droit qui relè Romano, la famille Romano-Germanique. Qui c'est un droit, tout ça qu'a fait là-dedans, c'est procédure. Il y a la forme, il y a le fond. Et forme là, c'est toute question. Il y a un droit en larguant, on va demander le fond, depuis la forme là, au cassé, vous voyez le tourner. Donc nous avons un droit qui n'est pas même avec le commandement aux États-Unis, qui c'est. On doit qu'il y aille dans le fond. Mais nous-mêmes, c'est la forme qui prime le fond. Mais nous, si nous avons dit, on va parler de tout pour nous faire démagogie. Ben là, pendant que nous disons respecter la procédure, et puis tu as passé. Certainement, c'est là, et moi-même, m'a invité le gouvernement. Et. Gagne trois pouvoirs. Le principe de trois pouvoirs. De c'est séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir. Ce principe, on t'a souhaité pour elle, et l'esprit des lois, l'esprit des lois, il dit c'est pour une par empiéter sur l'autre. Parfait. Et là, on empiéter sur l'autre, il y a des dégâts, parce que c'est l'équilibre, trois principes, ça a établi. Au cas de déclencher l'action publique, c'est même pas d'expliquer deux façons. Le cas de déclencher par le chef de la poursuite pénale, il est capable de déclencher par un citoyen qui dit ma pote plainte. Soit dans un tribunal de Saint-Paulis pour demander de déclencher l'action publique, mais ce sont des crimes mal devant le cabinet d'instruction. Le mal devant le cabinet d'instruction, le cabinet d'instruction qu'on y a, pour te plaindre, il n'y a pas qu'à instruire, parce qu'il faut avoir au moins la parole du chef de la poursuite. Parce qu'il n'est pas instruit pour lui, il est instruit pour le chef de la poursuite, qui est le commissaire gouvernement.
Il voyait dossier à bail commissaire gouvernement. C'est ma point dossier Petro Caribéen. Commissaire gouvernement, il rend un réquisitoire, alors il adressait un rapport qui nous est le réquisitoire des non informés. Souvent, ça me dit pour dire commissaire et juge d'instruction, hein? Pas esprit soit fait ça, parce que les devants, il y a une instance administrative, qui c'est la Cour supérieure des comptes. Juge d'instruction, hein? Pour appeler des déportés. Gagné on l'autre, il y a un juge d'instruction qui choisit. Puisque le commissaire gouvernement est envoyé un réquisitoire, quel est un réquisitoire d'informé? Quel est un réquisitoire de non informé? Commissaire a dit un bagaille. Le juge d'instruction, il faut quand même rendre ordonnance. Est-ce que là? Il n'y a pas qu'à même rendre ordonnance de non informé. La loi est interdite. Ok. La loi interdit comme juge d'instruction pour le règne ordonnant de non informé. Nous parlons pour qu'on y en a un parlement ici, pour nous faire connaître député circonscription des Dunes Baudelaire Noël-Saint, encourager l'exécutif à continuer à vous signer la population dans le cadre de procès sous dossier Petro-Caribé. Député Noël-Saint, ça qui vient pour l'IS 25 compagnies qui ont contrôlé, souhaité, député a souhaité des démarches qui fait bon côté gouvernement pour les lumières sous contrat si la on a invité à suivre. Il y a une recommandation qui fait. En dans dossier Sénat est préparé, il y a relevé environ 25 compagnies qui ont un contrat à exécuter. Si l'exécutif prend mesure, tu mets les compagnies en demeure pour remettre le coblan, ça t'a bon aussi. Il y a mis pile compagnies qui ont un coblan, mais qui ont fait le contrat en demeure pour dire, bail comme ça. Service concerné, allez carrément diligenter une enquête qui pour le résultat bien vite pour dire, on série de contrats qui t'es bail. Mais qui ça? Yo yé, et mais qui cop qui t'a dit là-dedans yo? Yo égard à quoi yo coûte yo? Toujours dans le cadre du dossier Petro-Caribéa, le commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince, M. Oknam Clamé d'Améus, présenté plusieurs documents les recevoir suite à une correspondance qui a été adressée à plusieurs institutions dans le pays sous le dossier gestion fonds Petro-Caribéa. M. Oknam Clamé d'Améus fait connaître un document saïocral et délégeant quelques éléments en plus dans le cadre d'enquête l'apmène sous dépenses fonds Petro-Caribéa. N'a pas envie de suivre. 20 septembre, moi t'ai adressé 7 correspondances à un ensemble d'institutions étatiques. Ça a été demandé pour communiquer toute information yo gagné dans le cadre du dossier Petro-Caribé ou affaire Petro-Caribé. Effectivement, toute institution ça yo commencé à communiquer le dossier. Il a fourni le dossier puisque c'est moi qui pour rassembler le dossier. Faut que venir côté les ministres. Côté le directeur général, côté les contracteurs qui n'ont film privé, côté les films de supervision, moun ki gen yoa, faut yo vin répondre question paquet pour me capable confronter information que me joine dans sa yo ban moyen puis yo même pour yo vin di qui engagement yo te prend dans sa yo koun ya l'aime fini faut mal garder information ban moyen yo est-ce que me ka rele yo est-ce que me ka pénaliser pénaliser veut dire est-ce que c'est crime est-ce que c'est délit jodi a m'pa kalem fin pren information moun sa yo et puis qu'on y a pour mal mettre devant l'autre tribunal correctionnel ou bien l'autre côté faut boire yo ba jusqu'à travail sous dossier ça nous relé affaire Petro-Caribé c'est là qu'on y a pour tout le monde focus information m'a rassemblé yo pas pour moi yo pral rivé pour aller joindre juge là c'est juge là qu'on y a là où il veut joindre juge à job pour la chercher indice alors pas qu'a marché pressé dans dossier dans affaire Petro-Caribé parce que nous tout dit nous tout on est qui prend dossier Petro-Caribé pour faire politique la donne ou gain droit mais fait attention ou pral coller puis devant parce que ils sont dossier que peuple a mandé société a dit côté comme la passé donc on va pas faire politique la donne faut aller chercher pour y a pour joindre comme là côté le exécuté qui j'ai projet exécuté donc va travailler tout le monde Petro-Caribé a fait depuis 2008 il signe depuis 2006 il commence à exécuter depuis 2008 nous en 2018 et quoi dernier résolution Petro-Caribé prend en 2016 ça veut dire pas grand question de
Jodia, n'est qui président, n'est qui ministre, avant hier, n'est qui président, n'est qui ministre. C'est tout responsable qui est passé dans l'État. Depuis tant que Petro-Caribe a l'étape exécutée, projet a réalisé, et puis depuis l'instant, il y a une responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bon matin, on va le lever, et puis sous prétexte qu'on soit politicien, bon, ou un dossier qui pour bon la parole, qui pour bon aura, et pour jouer à bagaille. Moi, je pense que faut gagner ça crée le sens de responsabilité. Et ça m'a dit là, ça m'a dit le sens de responsabilité, l'État baille de mon mandat, et parmi mon sa yo, moi, c'est un homme qui a un mandat pour me faire travail que yo mandé a, qui s'allie, eh bien, le dossier, l'affaire de Petro-Caribe, je dis, on a cherché la dernière, est-ce qu'il y a une infraction? Et samedi, moi parler en fonction de l'article 13 du code d'instruction criminelle qui ban mandat et qui pas limité temps mandat nan qui dit pour me chercher tout ça gen crime, tout ça gen délit, et puis l'emwel c'est dossier complexe, m'a mandé un juge pour vérifier pour moi. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire toutes les informations que moi recueilli dans dossier qui vient là, il y a bien pour y aller côté juge là. La nouvelle, ça veut dire pas de problème entre juge d'instruction et commissaire du gouvernement, parce que le commissaire du gouvernement cherchait les informations pour juge là, et puis moi-même, ma part des juges là, pour la chercher pour moi, indice qu'elle joue en dans information ça yo, pour me connaître qui moun kap gagné pour y aller en prison, qui est-ce kap gagné pour y aller en tribunal, pour y aller juger, ça pral dit, ou pral en prison coupable, remettre l'état comme côté voleur, al prend prison pour yo. Voilà le job que m'gen pour me faire. Mouvement Unité pour une action concrète pour commune Pilate présenté bilan recensement pétrolement des 6 octobre passé dans grand pays responsable une accopio fait qu'on a 833 cailles qui endommagé à 14 monde qui sont blessés dans commune Pilate pendant tremblement de terre. N'a pas vite suivi un reportage qui vous dessine c'est quoi pas qui là nous dans troisième section communale Ravine Trompette dans commune Pilate. Autorité locale yo expliqué yo enregistré 833 cailles qui endommagé 14 moun blessés pendant passage tremblement de terre sous commune ça samedi 6 octobre 2018 là vice délégué arrondissement Plaisance Pilate là Serge Théus à Kazek 3e section communale Viravine Tempête là attiré attention l'état central sous nécessité pour faire intervention sous commune Pilate. Pilate c'est côté dans département Noa et tremblement de terre a fait plus de dégâts. Par exemple, là, dans la section communale, nous, il y a la ravine non bête. Ouais, chambre saute là. Mais on caille qui censé à tes plats. Nous, t'as qu'à considérer 833 maisons, ça nous dénombrer là comme un bilan partiel. Jusqu'à présent. Parce que, il y a un pile l'autre donné qui est pour venir joindre nous. Encore? Mais affecté, il y a ça qui, c'est de dommages légers, il y a ça qui grave, il y a ça qui censé détruire net. Ouais. Par contre, là, qu'on y a là, on a demandé à l'État central, ouais, pour que yo vienne en aide à la population, parce que moun se nan abri provisoire, et la pluie a tombé depuis presque 15 à 22 jours là, ouais, moun sa aux abois, ouais, gen pile kay qui déjà fissuré, ouais, la pluie c'est en dedans, moun yo obligé rentrer encore. Bon. Ça c'est grave. Ouais, on ne pas supposé vivre comme ça. Et dans situation moun y a vivre là, moun yo gon grain bagay que y a tant c'est aide y a tant. Et non seulement aide nous ouais comment nous ouais et section nous ouais comment y. Alors commune non, nous pas moun yo pas tant et kit alimentaire. Moun yo c'est caillou qui écrasé. Yo même yo besoin comme si pour nous venir n'apporter et tol pour yo, n'apporter ciment pour yo, n'apporter des pacates pour yo au moins pour que moun yo sorti dans situation qui a vivre là. Les lablap tombe pour qu'elle pas sauter encore, au moins pour y vivre une façon qui plus ou moins. Après passage tremblement de terre sous Pilate, et les locaux ont fait connaître et a continué à accompagner population pendant y a prêté tant moyen bon côté autorité concernée pour venir en aide à habitants commune ça. Vers une augmentation et valorisation durable de la production de la mangue. C'est sous thème ça, Fondation haïtienne pour agriculture et relance économie réalisé un symposium sous filière mangue dans le pays. Activité ça qui a démarré lundi 22 octobre, arrivé dans Boutli, et mardi 23 octobre, on a bien vite suivi un compte rendu avec Rachel Saint-Fort. Qui ça qui doit fait pour développer et puis rentabiliser filière mangoa dans le pays a comment nous capable valoriser et puis exploiter filière ça qui gagne en pile potentialité c'est parmi diverses questions qui étaient dans mi-temps débat yo
Selon organisateur yo, symposium sous filière mango PIA te ba occasion à 120 participants professionnels dans domaine nan pour réfléchir et puis faire proposition sous plus bonne stratégie qui permet augmentation et puis valorisation yon façon durable production mango. C'est pour nous chercher réponse qui ça pour yo fait, qui ça pour nous fait, nous tous haïtiens, qui ça pour nous fait pour nous ca supporter un bon développement mango. Non seulement un développement mango, mais pour nous ca supporter que yo bail mango a pour mango a vienne plus valeur. Donc c'est symposium ça que nous fait. Symposium c'est pas bagaille que on fait souvent, mais nous croyons que le nécessaire est nécessaire pour nous t'approcher avec un pile professionnel problématique production mango dans le pays. L'aime dit un pile professionnel, monde qui réfléchit tout sous capacité un pied bois pour lui produire plus. Activité ça est occasion pour président Fondation Haïtienne pour agriculture et relance économique Volny Poltre parler sur réalité pays à nos affaires mango et puis présenter un catalogue qui gagne 90 variétés mango. Si pas de mango numéro 1 Axaboka numéro 2 nous pas connaît combien dans frais à nous qui pas ta passer mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Que yon relè nan agronomie yon période soudue. Ce qui veut dire que c'est yon période entre les réserves récolte printemps fini, napton récolte et saison été a vini. Li représente premier produit d'exportation alimentaire, manger mini, et secteur agricole là. Ce qui veut dire que chaque année, Haïti exporte comme ça pour 10 millions de dollars mango. Ce qui veut dire que il dépasse tout l'autre produit qui était gros produit d'exportation. Il dépasse café, il dépasse cacao. Konyan, c'est mango premier. Président Fola Volny Poltre fait qu'on a environ 200 variétés mango dans le pays pendant de préciser chaque gain marché payo. Dans ce sens, il invite tout acteur concerné pour travailler, chercher plus bonne stratégie qui permet de rentrer plus l'argent à partir du développement filière mango, ça qui peut aider dans le développement pays. Merci à Rachel Sinfor, l'autre information dans le journal là. Ministère Environnement organisé hier mardi 23 octobre là, une série, une cérémonie pour remettre officiellement plusieurs polymètres by direction cadre de vie à assainissement dans le ministère. C'est OPS avec OMS qui fait ministère environnement dont polymètre ça y est qui prend les services pour capable évaluer niveau pollution dans le pays à. Dans ce ça, responsable dans la cérémonie ici là, responsable OMS avec OPS, OMSU avec ministère environnement yo soulevé importance polymètre yo surtout pour mettre campé un réseau national qui sera là pour évaluer niveau pollution dans plusieurs côtés non pays. On a pas vite suivre un extrait de micro Roosevelt Desrosiers. La qualité de l'air, c'est une problématique qui est de plus en plus importante. On voit que en 2016, l'estimation est qu'il y a eu environ 4 200 000 morts prématurées qui ont été dues et à la mauvaise qualité de l'air. Quand on parle de santé publique, on parle toujours des facteurs de risque qui attaquent, disons, la santé des individus, la santé des populations. Et un des principaux aujourd'hui dans notre région, c'est la qualité de l'air. Pourquoi? Parce que dans l'air, on trouve souvent et beaucoup de particules fines, et c'est des particules qui sont très petites, aussi bien que des gaz qui sont nuisibles pour la santé. Monsieur le représentant de l'OMS, en donnant ces trois polymètres au ministère de l'Environnement, l'OMS contribue déjà au montage de ce que le ministère appelle un réseau de polymètres au niveau national pour la surveillance de la qualité de l'air.
Ainsi, avec le montage de ce réseau de polymètres, le ministère de l'Environnement disposera enfin d'une base de données sur les différents polluants de l'atmosphère, particulièrement quatre gaz, des particules fines, en vue d'améliorer la qualité de l'air au sein de la population. Le ministère disposera également un plan de surveillance des sources d'émission des différents polluants atmosphériques. Le ministère élaborera en quelque sorte donc des valeurs limites et guides pour la qualité de l'air et une cartographie de bruit sera donc élaborée en vue de réduire les nuisances sonores. Parce qu'il faut dire que ces polymètres-là ont un avantage parce qu'il y a une sorte de couplage entre le polymètre et donc un sonomètre qui est là pour mesurer les nuisances sonores. Comme vous le savez aussi bien que moi, et les nuisances sonores constituent également donc un problème majeur pour donc la société haïtienne. Nous revenons maintenant pour nous regarder ce qui est dans l'actualité internationale. L'argent qui nous a annoncé, il y a un titre pour nous faire connaître. Plusieurs cas envahis à Kedlo et puis la rio chargé à Clavou à cause d'ouragan Wila qui sous route pour frapper pays Mexique. Ouragan Wila doit frapper côte nord-est Mexique dans le moment qui peut venir là avec vent qui peut souffler jusqu'à 240 km/h. Nous avons invité à suivre un reportage à Euronews. Des maisons envahies par les eaux et des rues transformées en torrents de boue, ce sont les premiers symptômes annonciateurs de l'arrivée de l'ouragan Bia. Formé dans le Pacifique et précédé par des pluies diluviennes, il doit frapper les côtes du nord-ouest du Mexique dans les heures qui viennent, avec des vents soufflant jusqu'à 240 km/h. D'abord classé en catégorie 5, la plus élevée, il a depuis été rétrogradé en catégorie 3, mais reste extrêmement dangereux selon le Centre américain des ouragans. Les messages de prévention ont été transmis à la population, les écoles ont été fermées et les hôtels de la station balnéaire de Puerto Vallarta ont été évacués. Le gouverneur du Jalisco a assuré que les services d'urgence étaient mobilisés et que de la nourriture et des abris seraient disponibles en cas de nécessité. C'est là toujours dans l'arrivée d'un bout de lit pour matin, mercredi 24 octobre 2018. Là, ma peur, rappelons ensemble point qui était fait essentiel pour jeudi. La présidence demande ces informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux comme quoi machine et un membre de la famille présidentielle a subi attaque et n'est pas examiné par arriver identifié. Gouvernement haïtien signe un protocole avec le gouvernement japonais sur le développement programme économique et social. Cérémonie a déroulé hier, mardi 23 octobre, dans le ministère des Affaires étrangères. Et puis, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam, clamé d'Ameus, présenté plusieurs documents, les recevoir suite à une série de correspondances qui étaient adressées à plusieurs institutions dans le pays sous dossier gestion Fort Petro-Caribéa. Et puis, à l'échelle internationale, nous allons dans le pays Mexique pour nous faire connaître plusieurs cas envahis avec l'eau et puis l'arrière chargé à la boue à cause ouragan Wila qui soute pour frapper le pays Mexique. Ouragan Wila doit frapper côte nord-est Mexique. Que dans le moment qu'il vient là, avec un vent qui peut souffler jusqu'à 240 km/h. Nous sommes contents ensemble avec vous matin pour nous être capables de porter pour pratiquement la troisième sortie téléjournal pour semaine. Est-ce qu'il a un peu souhaité tout le monde passer un bon journée mercredi? Nous avons cassé rendez-vous pour demain matin pour toute nouvelle sortie téléjournal. Bonne journée à tout le monde.